Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour le 7ème épisode de Pokémon version jaune. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Alors la dernière fois on était reparti, voilà, à zéro, on a fait n'importe quoi. On s'est retrouvé tout seul avec Pikachu. Alors je crois qu'on l'est toujours, je sais plus. Ah non, il y a un Abra, voilà, qui m'a fait faire des misères avec ses téléportations. Et donc nous voici à Carvin-sur-Mer, une ville que j'aime beaucoup, hein, une de mes villes préférées du jeu. Parce que c'est sympa, il y a la mer, tout ça, alors voilà. Donc l'objectif du coup, comme on n'a pas une équipe, on a que Pikachu, hein, qui est niveau 27, qui est assez fort quand même. Et le Abra, non, je pense pas qu'on va en faire grand chose. La flemme de l'entraîner. Du coup on va essayer de se capturer un peu des potes, hein, dans les autres herbes à côté, on a de s'attaquer au Sainte-Anne, enfin au bateau de Carvin-sur-Mer, je sais plus comment il s'appelle. Dans le dessin animé c'était Sainte-Anne. Et bon, vous savez les traductions françaises, c'était jamais ça. Alors il y en a un qui peut nous filer un carapuce là, je crois. Il vient juste de capturer un carapuce qui fait n'importe quoi. Je vais avoir besoin d'un bon dresseur pour le remettre dans le droit chemin. Et oui, il faut que j'ai le badge apparemment. Donc voilà, on va se promener, du coup, un peu fouiller les maisons, parce que je sais plus s'ils donnent des objets ou quoi, je sais plus jouer au jeu. Une fois qu'un Pokémon a pris une CS, il ne pourra plus l'oublier. Il faut alors bien choisir le Pokémon en question. D'accord, alors en fait, je sais même plus si dans l'épisode présent j'avais fouillé ou pas tout ça. Là, qu'est-ce que c'est? C'est le fan club des dresseurs. Fan club Pokémon, tous les dingues de Pokémon sont les bienvenus. On y avait été ou pas, je sais plus. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, Pikachu? Bah alors? Et Pikachu, faut pas avoir le coup de foudre comme ça. On a rien à foutre de ta gueule. Mais calme-toi. Non, Pikachu, c'est pas comme ça. Là, tu fais le canard. Arrête. C'est pas comme ça que ça marche avec les gants. Voilà, reçu-moi, on a le swag, on l'ignore. Meilleure technique. Mon Vélofé est le plus beau de tous les Vélofés. Voilà. Oh, rapace de pique bleu. Rapace de pique, mon amour. Notre maître est très bavard en ce qui concerne les Pokémon. Oh. Ça a l'air passionnant. Ria. Et pourquoi t'es amoureux de Vélofé et pas d'Otaria, hein? Qu'est-ce que c'est? Les discriminations? T'aimes pas les poissons? Enfin, les Otaries? Enfin, bref. Oh! Mon Otaria est beaucoup plus élégant. Ah bon, bah, je vais voir, oui. On dirait une moule, avec des yeux et une bouche. Voilà, bon, chacun son délire. Qu'est-ce qu'il y a de beau, là? Oh, un galopin. Mon joli galopin. Alors, ça ressemble à un vieux tyrannosaure. C'est vrai, regardez, ça a aucun rapport avec l'image. Je suis scandalisé. Je suis le maître de fan club des Pokémon. J'ai plus de 100 Pokémon. Je suis trop méga tatillon quand on parle de Pokémon. Alors, tu veux encore savoir des trucs sur mes Pokémon? On va vous dire oui pour un truc. Bien, alors écoute, mon préféré c'est Galopa, il est mignon, beau, rapide, élégant, en feu, il fait des pataclopes. Hein, il fait une pataclope quand il court, c'est super, non? Je l'aime. Il fait des câlins, des poutous, je veux pas savoir. Allez, dis quoi? Tu lui fais quoi? T'es quoi les gougougou? Y a Zizi, je crois avoir vu Zizi dans mon machin, bref. Regarde l'heure, je crois qu'il est temps d'y aller. La Poképhilie, oui, peut-être pas trop en parler. C'est un fan club de Poképhilie en fait. Merci d'avoir écouté, tiens, prends ça. Voilà, trop bien. Et je suis en 5 euros de bicyclette, moi c'est mon rapace de pique qui me transporte. Pauvre con, n'importe où. Je n'ai pas besoin d'une bicyclette. J'espère que tu aimes pédaler, pauvre con. Pas capable d'avoir une CS vol. Bon, Pikachu, remis tes émotions? Ah oui. Ah oui. Non, mais attends, pourquoi tu fais comme ça? Il t'a fait quoi le papy quand on a parlé là? Je vais me dire. Bon, alors. Là, je crois que c'est un truc qui sert à rien. Mais on va quand même y aller. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Rourou! Eh, mon recul, elle va apporter une lettre jusqu'à Safrania au nord. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a de marqué? Cher Julio, j'espère te voir très bientôt. On raconte que Safrania a des problèmes avec la Team Rocket. Car c'est un paisible, voilà. C'est pas juste à côté, à quelques cases de pixels, Safrania. Hein, tu donnes de l'eau au mec, au connard qui veut pas te faire passer, c'est bon. Bon, du coup, assez blablaté. Il va nous voir une équipe pour tenir tout ça.
Salut, je peux t'aider? Allez, on va prendre des Pokéballs. Parce que c'est bien les Pokéballs. C'est pour attraper des Pokémon. Comme ça, après on est trop fort. Après on est super. Ouais, ouais, on sait qu'il prend du pognon, c'est fait pour. Réveil, je crois qu'on a tout ça. Bon, allez. Du coup, je pense qu'on va aller faire un tour à la cave Topiqueur. Parce que ça peut servir d'avoir des Topiqueurs. Voilà. Parce qu'on a un peu une arène foudre. Et je sais que le Raichu est badass. Et Pikachu, je t'aime bien, mais je crois que tu seras un peu trop con pour. Hein? Oui. Voilà, voilà. Ça va pas faire l'affaire. Ouah! Les Topiqueurs ont creusé ce tunnel. Il va tout droit à Jadiel. D'accord. On va pas y aller tout de suite à Jadiel parce qu'il a 16 flash, mais on va tourner en rond pour choper un Topiqueur de bon niveau. Bon, il y a des Triopiqueurs niveau 29, mais. C'est assez rare, on peut tomber dessus. Ça peut être bien, mais. Ça permet aussi d'avoir l'évolution. Oh, ce que pas, en tout piquant un peu plus fort quand même. Premier niveau 18. Voilà, ça permet d'avoir. Ça remplit le Pokédex. C'est plus cool. Voilà. Bon, après, on a un Triopiqueur, on le prend. Mais. Je pense qu'il va nous défoncer notre gueule vu qu'on a qu'un Pikachu. Donc, on va pas trop s'amuser à ça. Alors, 19. Ce, c'est pas mal. C'est un niveau de plus que l'autre. Je chipote, mais je pense que c'est un bon niveau. Allez, on l'a fait la Pokémon Go. Voilà, on sait même plus qu'il faut les affaiblir, les Pokémon, pour les capturer. On sait plus. Et ben voilà! Au KLM, les gens. Voilà! Une petite. Voilà! Voilà, moi, ça m'a. En plus, c'est un Pokémon que je prenais jamais. Parce qu'il me stresse, je sais pas ce qu'il y a dessous. Même vous, ça vous stresse. Il aime les lieux sombres. Il passe la majeure partie du temps sous terre. Ou. Dans des cavernes. Alors vous voyez, c'est un petit bout qui dépasse et qui passe son temps dans les endroits sombres et les cavernes quand même. Voilà, on n'est pas. Là en fait c'est pas la, on n'est pas du tout dans les intestins. Bon alors là je te jure j'en vais rendre plus haut niveau pour foutre les boules. Ah non, et ben voilà. Donc parfait. On a un petit Topiqueur, voilà, puis je le prends jamais, donc c'est cool. On va voir ce que ça peut faire de bien. Du coup, on va aller aussi sur le côté. Alors je vous dis pas qu'on va taper tous les dresseurs. Je ferai peut-être un. Oh il y a tunnel en plus, c'est parfait. Et du coup, on va pas faire tous les combats devant vous, parce que ça va être chiant aussi. C'est juste que je veux avoir un petit soporifique aussi, ça prête bien, je sais qu'il y en a, d'après ma mémoire. Dans ma jeunesse, il y en avait, ils mettaient leur trompe partout. C'est dément, c'est deux Pokémon avec des. On peut faire beaucoup d'allusions. C'est aussi pour ça que je les prends. Oui, on va faire plein de blagues pourries comme ça. Et voilà. Bon, par contre, il faut qu'il ait un niveau pas dégueu. 17. Ouais. On va voir tunnel si ça le one shot ou pas. Écrase face, non, on s'en fout. Don don don. Il a pas l'air d'avoir choc mental. Ça c'est embêtant. Donc on va le désinguer parce qu'on s'en fout. On en va un peu plus fort. Et au moins choc mental. Voilà, parce que ça va être chiant de le faire XP s'il a pas choc mental. On est d'accord. Don don don. Puis après on aura Doric dans le bateau. Je pèterai les dresseurs en off. Parce que walou walou. Hein, on n'est pas là pour se faire yesh. Hein. Vous en foutez des trucs chiants comme ça. Faire 10 000 combats contre des dresseurs tout pourris. Alors donc c'est pas une zone obligatoire pour ça. Ah alors. 17. Mais c'est décevant. Bon c'est pas grave, on fait XP un peu. Topiqueur. Ça fait pas de mal. Je sais plus quand il voulait l'hypnose. C'est chiant ça. C'est stressant. Oh non! Oh le bâtard! Oh mais voilà. C'est pas possible ça. Entrave, non mais c'est de l'acharnement. Eh ben oui, il se réveille. Eh ben il échoue. Tu ne mérites pas d'être dans mon équipe. Si tu échoues comme ça. Ah il avait choc mental. Oh merde. Oh le con. Oh merde, je suis con. Moi je crois qu'ils avaient genre vers 19 choc mental. Bah 17. Pikachu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais Pikachu! Mais tu t'en bats les couilles! T'es toujours sous héroïne, putain! Ah. Ton, ton, ton. Allez, tout est vert, c'est horrible pour les yeux! Ton, 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 c'est dégueulasse! C'est très très vilain! Caca boudin! Mais non, je m'en bats les couilles de ratata! Alors, on s'en bat les couilles. Don 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 don.
Je veux faire le bateau, moi. Voilà. Oh, mais c'est déjà un épisode très long. Non. Bon, là je regrette pas. Après, le soporifique, on traîne. Ça va pas. Non, mais le Topicar, on va être content de l'avoir pour la reine du Major Bob. C'est la base. Ils l'ont pas mis pour rien, ce gars, un Topicar. C'est fait pour t'aider. C'est que t'es con, sinon. T'as d'autres moyens, mais quand même. Bon. Allez, on va y arriver. Allez. J'ai fait le con. Mais putain. J'en ai marre des ratatas. Pikachu, j'ai juste Pikachu qui me suit là. Ça me stresse. Il manquait plus que ça. Voilà, et ben je peux en avoir un. Juste pour me faire chier. Puis celui-là que je vais avoir, il va être niveau 16. Un truc bidon. Voilà, ou niveau 14. Au niveau 2, tiens. Voilà. Toulon, colon, sinon on le prend pas. On y va comme ça. Je vais pas courir après 10 000 ans. Il y a des Pokémon qui ont des attaques ici. Putain. Bon, on va se casser. On va pas lui courir après. C'est bon. Voilà. On va se démerder. C'est tout. Parce que ça fait chier. Voilà. Bon, je vais le prendre aussi, parce que je le prenais jamais, mais... Vu qu'il peut revenir et que j'ai fait le con. Ah, le voilà. Alors, vraiment, son niveau. 15. Mais non. Oh, ça me saoule. Et il me troll. Eh ben, il n'y aura pas de soporifique dans l'équipe. C'est tout. Voilà, je me casse. Et on va aller faire le bateau. C'est tout. Voilà. Je trouve que vous êtes très content que je le prenne pas, parce que vous l'aimez pas. Ouais, machin. Vous êtes vilain. Oui, après, j'ai Abra. Voir Kadabra. Mais bon. Abracadabra. Oui. Je chier, après on peut pas le faire évoluer à fond. C'est stressant. Bon, on avait déjà fait un Gravalanche, on était content, on était heureux, on vivait bien, on était hypé quoi à cette époque. Mais je pense qu'avec un Topicaire et un Pikachu, on peut s'en sortir. Mais tranquillou bilou quoi. Voilà. Sans stress. Au KLM. Bon, du coup, on va pas faire ce connard de bateau. Je vais quand même prendre des potions. Parce que ça peut servir. Alors, on va s'en reprendre en plus. Parce que je sens mal cette affaire. Et ouais, des réveils, on va en prendre quand même deux. On ne sait jamais. Putain, pourquoi il n'y a pas de total soin hein. Ça existait à cette époque, les total soins. J'ai un doute maintenant. Il me semble bien que oui, mais bon. Je me fais vieux maintenant. Allez, c'est parti pour le bateau qui n'est pas là. Il est pas là, il est où? Il est là. Attends, ton. Port Carmin. Voilà, c'est très agressif. Alors oui, là-bas, il y a le camion, il y a rien du tout en fait. L'océan est un paquebot de luxe. Nous rendons à Carmin sur mer une fois par an. D'accord, ok. Vous êtes prétentieux quand même, exigeant. Bienvenue à bord de l'océan, puis-je voir votre passe? Vince montre le passe et crâne à mort. Ça, c'est des expressions des années 90. Et merci, bienvenue à bord. Oh, il est beau le bateau. Enfin, pour sortir, ouh. Il y a un bug à faire, on peut le garder le bateau. C'est nul, on s'en fout. Les passagers sont en ébullition. Ils vont certainement vous provoquer en duel. Ok. Eh bien, on s'en bat les couilles. On les prend. C'est tout. Alors lui, je sens que il a genre un caninos. C'est tout. Voilà. Toi, jeune sot, tu oses entrer ici? Oui, moi je rentre chez les gens, parce que je suis le héros du jeu vidéo. Et voilà, c'est ce que je veux. C'est tout. C'est un gentleman. Ah, j'étais pas loin. Alors, je sais plus si seul ça fait mal au poison, je crois. Génial. Oh non. Et là, j'aurais un soporifique, ça aurait été bien. Parce qu'il aurait one shot. Mais bon, c'est très efficace aussi le type seul. Bon, ça pas beaucoup de PP, faut pas que j'en abuse. Non, je change pas de Pokémon. Voilà. Tunnel! Mais vous êtes nuls! Voilà! Tout ce cinéma pour rien! Hein? Tout ça va avoir des espèces de lapins radioactifs? Tout ce que mon tas m'a envoyé? Hein? Ouf! Tu es mal élevé! Voilà! Hein? J'aimerais être seul! Mais attends, je vais faire des trucs. Je vais reproduire Nidoran, hein, avec Nidoran.
Là, qu'est-ce qu'il y a? Elle aime... Ah oui, j'en suis un. Serveur, amenez-moi une tarte aux poires. Tu veux voir ta poire? Alors, là, je sais plus non plus. Ah, une croisière, c'est tellement romantique. Je voyage toujours avec gros doudou. Qu'est-ce que tu fais avec une petite fille et un gros doudou? Gros, doux. C'est malsain ici. On se casse. T'en pensais quoi, Pikachu? D'accord. Toi, t'as pas décroché là. Bon, bah, t'es heureux, c'est bien. Bonjour, je suis le serveur de ce bateau. Je me ferai une joie de vous servir. Ah, l'air du grand large. Je trouvais sympa le sprite à cette époque. Alors là, ça sent le fight là. Sauf elle. Nous parcourons les mers du monde entier. Un petit connard de gamin là. J'aime les Pokémon. Et toi? Bah, non. Juste de l'argent, hein. C'est tout. J'utilise pour vous raqueter. Hein? Oh là là, un nid d'oran. C'est incroyable. On ne voit pas que de ça. Alors, attention. Creuse un trou. Non, j'ai une cabine pour me reposer. Parce que pour remonter les PP de Topiqueur, ça peut être bien. Enfin, de tunnel. Non. Wow, t'es cool toi. Je sais. Qu'est-ce que c'est que ça? Une CT. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit bien-être? C'est des pouvoirs incroyables qui dépassent l'entendement. Oh, plaquage, j'avoue c'est fort. Il y en a un qui peut le faire. Ils sont tous aptes. Mais il faut être lourd pour que ça fasse beaucoup de dégâts. J'ai pas de gros Pokémon pour le faire. Allez, on va se battre, on va faire XP Topiqueur. J'ai niché ces Pokémon un peu partout dans le monde. Ok, alors voilà, et là, vous allez voir, on va avoir des trucs de ouf, hein. On va avoir des Rookool et des Nidorans. Voilà, elle est dans le monde entier. Hein. Ah oui, putain, merde, ça va rien lui faire. Remarquez, c'est un peu con la première génération, ça se trouve. Ce tunnel, ça pouvait attaquer les Pokémon vol. C'était un peu débile à cette époque, ça réfléchissait pas beaucoup. Bon, hein, on va pas faire ça durer. On va pas te faire durer ça 10 000 ans. Allez, Pikachu, c'est un peu toi le héros quand même, faut qu'on voit. Oui, clair, c'est suffisant. Oui. Alors, il va appeler Nidoran. Voilà. En plus, je l'avais annoncé. Putain, je suis trop fort. Oh putain, ça fait que dalle. C'est nul. Non, elle fait trop la maline là. Alors là, ça m'agace beaucoup. Touché deux fois. Non. Un bon tonnerre, hein. Voilà. C'est tout, avec ça, c'est son Nidoran du monde entier là. Non, mais tu t'attends à voir des trucs de fou. Voilà, je sais pas, voir des Pokémon d'autres régions, non? Quoi? Un tour de monde pour ce résultat? C'est nul. Non, mais t'as rien compris. Tu as fait mal à mes Pokémon. Il faut que tu les soignes dans un centre Pokémon. Non. Allez, au revoir. Est-ce qu'on l'a posé, Pikachu? Bon, d'accord. Oui, toujours la même émotion, ça fait très peur. Encore un mec tout seul? Psst, je suis de l'Interpolis. Sur la trace de la Team Rocket. Chut. Ah oui, ça l'on connaît par cœur. C'est pas un peu que le jeu, je l'ai refait 10 000 fois, quoi. Alors là, ça mène à un endroit qu'il faut pas. Ça mène vers la fin du bateau. Il y a encore des trucs à gratter. Non. Là, il y a la cantine. Il y a la cantoche. Et là, il y a des dialogues de fou. J'ai vu une balle bizarre dans la poubelle. Et le mouflé. Il y en a qui bossent. Dur ici. Alors dégage. Ouais, je me balade dans les cuisines, normal. J'ai trop de boulot. J'en ai des vertiges. Je suis le chef cuistot. Voilà le menu. Pâté d'orgueil. Des quoi donner envie de mutinerie. Juge Gusto, le menu, côte de bœuf. Mais je crois que je n'ai plus de viande. Juge Gusto, le menu, pâté d'orgueil, mutinerie. Allez, on a pas une autre vanne. Le menu, côte de bœuf. Mais il n'y a pas de bœuf dans Pokémon. Ça se mange pas les Pokémon. Pikachu, t'en penses quoi? Bon, d'accord. Des côtes de Pikachu, ça peut être pas mal. Il sert à rien.
Sniff, sniff, j'ai bu des oignons. Oh, c'est pas du tout cliché. Voilà, et puis il a chié une Pokéball dans la poubelle. Voilà. Tu connais Ronflex? Il passe ses journées à manger et à pioncer. C'est ce jour-là que j'ai appris ce mot pioncer. En plus. C'est vrai, j'ai trop appris de choses avec Pokémon. Pourquoi moi? Je suis tout le temps à une corée de patates. Il y a des patates dans Pokémon? Un joli tas d'ordures, miam. J'ai jamais compris le concept de Zélie. Alors, oh putain, ça me fait penser qu'il y a l'arène horrible là, qu'on va se taper, avec les interrupteurs dans les poubelles. Le moment préféré du jeu vidéo. Non, pas là. Il y a des trucs pour soigner qui est pas loin là. J'ai ma cabine, putain de merde. Non. Oh, il y a un vieux dans ma cabine. Je voyage toujours en solitaire. Mais les Pokémon sont mes amis. Et je te dirai pas ce qu'on fait ce jeu bien avec. C'est pas joli joli. Oui. Un gentleman. Un caninos. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Il est beau. Il est beau. Non, franchement, là, il est bien dessiné. Là, j'aime beaucoup. Alors. Bah voilà. Sans stress. C'est pas du tout cheaté, tunnel. Voilà, puis il en a deux. C'est l'XP là, c'est vraiment l'XP facile. Bon, par contre, ce serait bien que j'ai un truc pour me soigner. Parce que je vais plus avoir de pépé. Ça c'est agaçant. Bon, je chope une huile. Un truc comme ça. Il y a un paquet de dresseurs à battre dans ce truc, c'est vrai. Oh la catastrophe. Non! Mes petits amis, ben, tu pourras plus. Ben, tu feras ça avec les cadavres. Et faut être gentil avec ces Pokémon. Oui. Ma Pikachu, il est trop content. Ça me fait peur. Regardez, bim, suis! Mais non, mais lâche-moi! Mais regardez, mais. Regardez ce petit sourire là. Oh là là, c'est horrible. Il pire la queue quand il tourne derrière moi. J'ai peur. Alors, qu'est-ce que t'as? Mon Pokémon Match Chopper est super fort. Et sa force lui permet de bouger des rochers. Voilà, mais ça ressemble pas du tout à Match Chopper. C'est un dinosaure. Comment ça, mon inventaire est plein? Ah, ça commence à m'agacer. Bon, on va foutre des trucs, des conneries poubelles. Ça, c'est quoi? Patience. Non, c'est de la merde. On dégage. Je suis pas patient. Oui. Ensuite. Pistolet haut, on s'en bat les couilles, c'est nul. On a bu le dos, c'est mieux. C'est de la merde. Hop, ensuite. Ah, j'ai de l'huile au cas où, c'est cool. C'est bon à savoir. Cage éclair. On s'en bat les couilles. On est des thugs. Hop, on jette. Oui, je suis comme ça. Oui. Crie dans les commentaires. J'ai envie. Bulldo tunnel, on va garder. Canne super monde commande. Réveil. 8 plaquages, on garde. Potion max. Mais c'est génial. Oh, alors des marins. Donc, du coup, on va prendre Pikachu. On va les soigner parce que ça va mal se passer ces combats, je pense. Ah sûr, j'aurai un abra, ça serait bien. Enfin, un cadavre, là, ça serait pas mal. Il ferait Ralph Alpsi et puis tout le monde serait mort. Mais bon, voilà, un peu la flemme de faire XP. Tu sais ce que l'on raconte sur les marins et les duels? Ben non, je veux pas savoir. Hein? Restez dans vos pratiques. Alors, qu'est-ce que tu m'envoies, toi? Oh, vous avez un coquillage qui tire la langue, ah bah dis donc. Oh, mais c'est pas bien de tirer la langue. Allez, du coup je t'électrocute. Voilà. C'est la punition. Non, voilà. Pikachu s'en bat les couilles, il est heureux. Il pète la gueule à tout le monde. Ouais, beau combat. Alors, Mousse, tu veux devenir un marin? Non. Vous êtes nul. Vous avez pas envie. Pour jouer avec des coquillages. Ma réputation de marin est en jeu. Alors, à qui ils m'ont envoyé? Ils m'ont envoyé des poissons, des méduses. Voilà, oula, il y en a trop. Il faut être en voilà. Ben voilà. Mais il est mignon. Mais tu veux t'es mignon? Ben on va te tuer du coup, voilà. Voilà. Hein? C'est ça, Pikachu. C'est mignon, c'est mortel. J'aime beaucoup. Voilà. C'est tous les trucs mignons. Il est cheaté, Pikachu, c'est tout. Coquillas, ben vas-y, hein. Coquillas et Crusta brille. Revoir une chance. Voilà.
Ensuite, suivant. Allez, c'est parti. On y va. Allez, hop, hop, tentacool. Voilà, j'ai des coquillages et des méduses. Les méduses, ça fait chier, ça fait mal, les méduses. Et éclair, vous croyez que ça peut le one shot? Ou est-ce que je suis trop arrogant? Non, je sais pas, du coup, on fera avec éclair, c'est très bien. Ah, je sombre. Oh, c'est trop rigolo. As-tu rencontré le maître pêcheur à Carmin? Je vais attraper des carpes qui servent à rien, c'est trop bien. T'achètes déjà comme un con à 500 poké dollars parce que t'es con. J'aime les petits gars joyeux, comme toi. Oui, oui, mais non, il n'y a que Pikachu qui est content d'être là. Alors, on peut mettre dans le même paquet. Hein. Pika! Bon. Ça devrait le faire quand même. Hein. Comment ça, ça le one-shot pas? Mais non, il me crache des bulles. Mais ça fait mal. Mais c'est quand même des bulles. Hein. Attends, ça mousse. Ça fait des dégâts. J'ai jamais compris ça, gamin. Ah, t'as Kikum! Bulle d'eau! Blablabla. Je dis, mais pourquoi ça fait mal? Faut m'expliquer. Bon, après, oui, recanon, c'est la pression de l'eau. Je comprends que ça peut faire mal. Surf aussi, tu prends une vague sur la gueule, ça fait mal. Mais alors, écume et bulle d'eau serait gamin, je comprenais pas. Mais dans le dessin animé, j'ai vu que j'avais des explosions. Blablabla, c'est trop fort. Voilà, voilà. On apprend des choses hein, avec les dessins animés. Tant des choses qui n'existent pas en vrai. Et c'est intéressant. Allez. Pikachu, tu vas le one shot avec éclair parce que c'est classe. Voilà. Merci. Non, 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 non. Hein, j'ai perdu. Arg. Voilà. Les Pokémon d'eau visant les grands fonds. J'ai besoin d'une canne. C'est dans le... Il va aller dans les grands fonds, il a besoin d'une canne. Oh, je vais pas avoir tout entendu, mais quand même, hein, Pikachu. Non, non, Pikachu. Non, non, pas ça devant. Il y a des gens qui regardent cette vidéo. De l'huile, c'est parfait, ça. Par contre, on en aura besoin. Voilà, donc du coup, je suis sans stress. Bon, qu'est-ce que t'as, toi? Nous, les marins, on a aussi des Pokémon. Mais vous aimez bien dire que vous avez tous des Pokémon. J'ai compris. C'est pour ça que je joue à ce jeu. Voilà. Je me bats contre des méduses. Bleu. Ce bruit est stressant. Non, ça vous stresse pas? C'est quand même malsain comme bruit. Voilà. Du coup, j'électrocute, c'est tout. Starry. Là, c'est un peu plus classe quand même. Voilà. Là, c'est... C'est bling bling. Moi j'aime bien les Starry. Starry Staros, j'aime bien. Bon, c'est con qu'on n'ait pas d'ailleurs une canne qui nous, dès le début du jeu, nous aide à prendre des trucs sympas dès le début. Magie. Faut attendre 10 000 ans à avoir un Pokémon aquatique intéressant. Bon, Pikachu il pète la gueule à tout le monde, tout va bien. Ok, t'es pas nul. Tous nos Pokémon viennent de... Non, oh merde, mais sans déconner, non, j'avais pas du tout fait gaffe. Ça, ça va être trop faux à tous les coups, un truc comme ça. Repos. Ouais, non, mais c'est pas le genre de truc que j'utiliserais. Hein. Mon sac doit être plein, catastrophe. Salut étranger, parlons un peu. Tous mes Pokémon sont aquatiques. Ah bah non, bah... Ah bah ça alors. C'est pas du tout la spécialité du bateau, c'est plus de vous cliché. Ah et Magica. Ah non, Tentacool. Ah j'ai acheté mauvaise langue. Oh, c'était une méduse et pas une carpe. Putain. Quelle originalité. Eh ben, remarquez, ça va vite, les combats sont pas trop longs. Comme ça au moins. Pikachu va être niveau 30, tranquille. Il faut ça, vu que bon, il peut pas évoluer. C'est très bien, il est mis en valeur comme ça. Voilà. Il a besoin. Coquillasse! Putain, mais c'est tous la même chose. C'est quand même terrible. Je sais pas, sortez-moi des trucs qui font plus rêver. Genre.
Bah non, c'est nul les Pokémon Go en fait. Voilà. Ah, il m'a fait bailler ce con. Zut, celui-ci s'est échappé. Ah bon? Bah je le veux. J'allais faire de toi mon assistant, mais non. Mais arrêtez avec vos conneries là. Si tu perds, on te balance au requin. Mais y a pas de requin, on est dans Pokémon. Y a pas de requin. Arrêtez. Il survivrait pas. Comment voulez-vous mettre un monde avec des animaux et des trucs avec des super pouvoirs? Ça va pas tenir. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il y a? Les gros muscles, hein, et des bêtés. Voilà, tu vas retourner à la salle un peu. Voilà. Pouf. On s'en fout, on torche le jeu avec Pikachu comme ça, ça continue. Hein, battu par toi? Ben oui. Souvent, quelques méduses sont entraînées dans le sillage du bateau. Ah bon? Très intéressant. Ça peut être pas gentil. Là, ça mène à rien, du coup. Ok. Je crois que du coup. Bah, il y avait pas le port du bateau, là. Enfin, le bout du bateau, là. Je comprends rien. Je comprends plus rien, ce jeu vidéo. Là, on va soigner un peu Pikachu. Non. Allez! Oh, ce menu est génial. Non. Fait quand même dans l'ordre. Voilà. Et vous aussi d'avoir Régis en dernier. Ce petit connard, il nous avait manqué. Alors. Je crois que là. Ça mène. Voilà. Au bout du bateau. Je sais plus comment ça s'appelle. Notre capitaine est un maître d'armes. Il enseigne ses Pokémon, la technique coupe. Ah, c'est trop bien, le début des CS, une aventure de fou. Il y en a qui disent que ça va leur manquer, hein, c'est le pire. Oh, oh, alors, on a le mal de mer? Alors, dis donc. Attends, moi, je suis un marin. Hein. Et voilà. L'autre, il a le mal de mer, quoi. Non, je vais pas faire que j'éclaire. Putain. On peut bien se foutre la gueule des gens comme ça. Non, il a fait une one shot. Mais non, mais c'est nul. Et que tonnerre. Et voilà. Hein. Le respect a disparu. On le recherche. Non mais Pikachu il est trop fort. Il y a rien comme dans le dessin animé. Pikachu, attaque éclair. Voilà. Eh, Team Rocket. C'est relou en fait ce dessin animé. Finalement, quand on y repense, c'est tout le temps la même chose. Moi, je voulais que la Team Rocket gagne. Voilà, il y avait Smogogo, Arbok. C'était vachement stylé. Sans classe, quoi, ces deux Pokémon poison. Je kiffe. Mais putain, attaque toxique, quoi. Merde, ils ont dû faire des trucs comme ça. Oh, beau combat. Ah bon? Mais c'était pas un combat, c'était... Ça fait une porno. Mon papa, il a 100 Pokémon différents. Je suis sûr qu'il y en a plus, hein, parce que... Et mon œil, je suis pas très... Je suis malin, quand même. Lui, il dégage, je crois. Je suis malade. Et il a tout... Hey, Pikachu. Bon, là, j'approuve, Pikachu, de te moquer du mec. Niark. Briquer le pont, c'est un travail épuisant. Hey, copain. Et tu danses un tango? Mais ils ont tous un manque de sexe ici, c'est possible! Et putain, c'est parti combien de temps en mer? Et au pire, pourquoi faites pas des trucs avec vos méduses? Ça vous fera des sensations? Je sais pas. Non. Bon. On va tenter tonnerre sur les matchs parce qu'ils sont. Voilà, ça commence à être tendu là. Là. Non, pourquoi j'ai fait que j'éclaire? Pourquoi je suis pas concentré? Hein, j'en ai marre d'être con. Bon, on est en train de tout défoncer avec Pikachu. Coquillasse. Non. N'empêche, Crustabri est stylé aussi quand même. Comme Pokémon, j'aime bien. Il a une tête trop vénère. Oh là, niveau 30, c'est ce qu'il faut. Minimum, hein. T'es bon. Tu sais combien il y a de Pokémon différents, hein, tu sais?
Bah, ton copain m'a dit qu'il y en avait 100, mais vu qu'il est trop diligent, il y en a plus, hein, parce que bon. La fête est finie! Nous allons bientôt lever l'ancre! Et ça, c'est le connard qui pète l'ambiance! Ah non, regardez, Pikachu s'en bat les couilles, hein! Il va faire l'after! Oh, on reste là, hein! Allez, Pikachu, je t'offre un cocktail! Alors, du coup, ça sera une super potion! Allez, cul sec! Bloop! Allez, Pikachu! Et il est toujours content. Il est enjaillé. Il s'enjaille. Oui. Bon, du coup, faut qu'on tape la gueule à Régis parce que ça va me soulager. Oui. Donc voilà. C'est mon moment préféré. Voilà. Pétez la gueule à ce petit connard. Là, il y a des. Ah, mais il y a des gens là. Là. Dans tous mes voyages, je n'ai jamais vu un Pokémon dormir autant. Il était un peu comme ça. Par contre, le sprite de Renflex. Il est vraiment tellement stylé. Là, dans cette version. Je le trouve vraiment trop stylé. Et vraiment, il est stylé. Quoi. Trop beau. Franchement, il est trop stylé. Oh là, ça va être chiant de se voir se battre contre moi. Oh, j'ai mis Pikachu. Oh, mais il est apparu. Hé, hey, regarde ce que j'ai pêché. Non. Mais je m'en fous. Vous êtes malade. Vous m'imposez de ces choses dans ce bateau. Oh, la gueule de poissirène. Mais qu'est-ce que tu veux, mon loulou? Hein? Allez, viens voir tête à Suzanne. Et te faire fumer tes premières claques, quoi, tu veux voir. T'as fait un peu cet effet, là. Alors. Oh, éclair pour les tentacules. Tentacule. Et alors, hop, et ben me revoilou. Ah putain, ça me rappelle la fois où j'ai fumé la pipe à mon mari. Pikachu n'écoute pas ces histoires. T'es assez con comme ça, c'est bon. Ok, je suis fait. Je peux rien dire ce que je dis. Une fête? Elle doit être finie maintenant. Bah non, faut pas écouter l'autre bâtard là. Pikachu il est toujours enjaillé. Regardez, allez, il y a le feu au cul, Pikachu, il sautille. Les duels contre les chaînes me maintiennent en forme. Je suis gêné. Ah, pour remettre au piqueur sur les rails. Voilà. Bon, donc on va quand même l'exploser parce que j'ai la flemme de faire un changement. Magnéti! C'est bien à cette époque, ils s'en foutaient de la logique, alors du coup, ils disaient pas qu'ils pouvaient l'éviter. Et du coup, Tunnel, ça va lui faire mal à ce con. Et ouais, on l'emmerde la logique. Ça, c'est bien. J'aime bien. C'est pas prise de tête, ces versions. C'est pour ça que c'est trop bien. Pouf! Voilà! C'est tout! Niveau 21! Cool Zen! Voilà! Ouah! Oh, je me sens en pleine forme! Oh, c'est quand tu sortis ton petit machin de 20 cm! Il y a 15 ans, j'aurais gagné! Oh, de l'huile max! Putain, on peut charger les PP à fond! D'accord, du coup, on va quand même utiliser des huiles, du coup. Non! Non! Pourquoi je suis bête? Pourquoi je fais des conneries? Pourquoi je vais trop vite? Et attends, en plus, j'ai pas utilisé griffe, que c'est ce délire. Je sais plus. Non, mais voilà, j'ai fait de la merde, comme d'habitude. Je suis content. Là, qu'est-ce qu'il y a? Attends, mais encore. Ah non, ils vont pas se doubler. Alors, ça, c'est pas ce que c'est un truc avec des lunettes. Un Pokémon, peut-être. Les Pokémon peuvent couper les petits buissons avec la technique coupe. C'est extraordinaire. Oui! J'ai vu des gens transporter des Pokémon par de la liso. Ok, bon allez. Et si c'est gentil aux histoires, c'est passionnant. Oh, alors quand il y a un objet, tu dis, c'est de la galère. Bon, allez, on va voir le papy, parce qu'il est fou, là. Que veux-tu, un Pokémon? Costaud ou rare? Je vais les deux, voilà. Qu'est-ce qu'il va m'envoyer? Alors, le gentleman, il envoie un Caninos. Voilà, parce qu'il est comme ça, il a des valeurs, le gentleman.
Ultime à point. Pikachu met des patates. Voilà. Oh putain, c'est quand même violent. Comment il pète des gueules. Ponyta, ça c'est stylé. J'aime beaucoup. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Mais là, les flammes font pas du tout l'effet. On a vraiment que des poils. Dégueulasse. Dégueulasse, celui-là. Je... Non, j'aime pas ce sprite. Je suis déçu. Voilà, du coup, hop, un petit coup de Topiqueur dans le cul. Voilà. Ça refait bien, ça remet les idées en place. Bravo, tu es très fort. Je préfère les Pokémon rares et costauds. Super. Bon. Cyber bonbon, on s'en fout à qui on le donne. Je ne t'ai pas vu à la fête. Putain, mais putain, mais elle est pas finie, arrêtez, mais vos conneries quoi. Putain, mais ça y est, c'est genre il est minuit, la boîte ferme quoi, qu'est-ce que c'est ce délire. Qu'est-ce que tu m'envoies là, qu'est-ce que tu vas faire avec ce truc là, hein. Voilà, je m'en vais. Au revoir. Oh putain, il est pas one shot. Oh, il me casse les couilles, j'étais, voilà. Oh, oui, Vincent est arrogant. Bon, Pikachu, là, t'es pumpé up là, c'est pas la fin de la soirée. Non. On va faire l'after, allez. Mais c'est pas le moment. Alors, t'as pris juste des shoots de super potions. Mais non. Mais tu veux pas. Mais en plus, c'est. Pikachu, j'ai des rêves, je suis con. Bon. Allez, mais tu fais. Bon, allez, tu fais. Parce que ça pouvait durer 10 000 ans, ce saloperie là. Qu'est-ce que c'est que ce jeu vidéo? Réveil, j'en avais acheté un. On peut juste prendre une potion, mais bon. Vu que je suis un vilain, je vais me prendre des risques. Parce que j'ai le moins de risques. Allez, un peu de stress, c'est pas grave. On va falloir le soigner, ce con. Voir s'il est fatigué, c'est le fini mot de fatigué quand on passe plus de vie. Relax, t'énerve pas. Mais non, mais oh, c'est bon. Farimousse. Waouh, tes Pokémon sont super forts. Je les adore. Bah non, ils sont pas les couilles, Pikachu. Il va crever, mais voilà. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de raccourci à l'époque. C'est relou en fait ces versions. C'est de la merde, pourquoi on joue à ça? Alors qu'on pourrait jouer à la PS4 ou à des vrais jeux de 2017. Ouais, je comprends pas. Ouais, je fais ça. Pikachu, t'attends. Oh, il s'en fout. Tant qu'il me colle au cul, il est heureux. Lui. Mon popo et moi, on pense que le parc safari il est génial. Hein. As-tu déjà vu le parc safari à Barmanie? On y trouve plein de Pokémon rares. Oui. Je m'en fous, je peux y aller. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux tuer des gens, récupérer de l'argent. Le capitaine avait l'air tout palo. Et c'est assez fréquent d'avoir le mal de mer. D'accord, bon, on s'en fout. C'est chiant. Ce jeu vidéo devient chiant. Tes conversations sont chiantes. Salut Vince. Et toi ici, sans blague. Vince, as-tu vraiment été invité? Non, mais ce que je sais pas, enfin. Voilà. Tu vas squatter chez ma soeur, ta mère n'a pas de chambre, elle dort chez mon grand-père. Où en es-tu avec ton Pokédex? Moi j'ai déjà attrapé 40 Pokémon minables. C'est pas vrai, c'est pas possible, c'est du. N'importe où! Il n'y a qu'à ramper dans les autres terres. T'es le last pico que tu es. Oh là là, Régis, il est swag, il a mis la petite chaîne. Oh, il m'envoie un petit alphabet. Je sais comment je vais m'en remettre. Ah bah oui, j'ai pas du tout un Pokémon électrique, Régis. Merde, pourquoi je fais cacher clair? Je vais enlever cette attaque. Parce que ça commence à m'agacer d'être con. Mais bon, c'est drôle. Après, c'est quand même drôle de les paralyser. C'est quand même un petit plaisir. Voilà, mais c'est sympa. Moi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Mais ça me plaît beaucoup. Je vais péter la gueule à Régis, c'est tellement un plaisir. Répliera tata. Bon, on va faire un peu sortir Topiqueur sans trou. Oh. C'était ça. Enfin, c'était pas un mauvais jeu de mots. Hein. C'était pas fait exprès, je vous jure. Voilà. Là. Dans le cul. Ah oui, Ratata. Est-ce que
que t'as pris? Sablette. Non mais lol. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Moi, avec mon petit machin de 20 cm, je mets cher, c'est tout. Boum. Voilà. En plus, il brille. Non, 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 tranche. Fais pas des attaques comme ça. Il est trop chaud là, ça va pas. Je l'ai appelé Evoli. C'est super original. Il sert à rien. Tant qu'il a pas évolué lui en fait. C'est triste à dire. J'ai creusé. Mais Toby Girl a creusé un trou. Du coup il rugit. Mais il échoue. Et du coup, attaque. Il remue la queue. J'en perds ma défense. Allez, Topiker, fais voir comment tu remets le bout. Voilà. Parfait. Oula. Mais c'est tranquille. Mouaf. Au moins, tu t'occupes de tes Pokémon. Il y a le maître de la technique coupe à bord. Mais ce n'est qu'un vieil homme malade et sénile. La technique coupe est très utile. Tu devrais le rencontrer. Salut Minable. Puis il bouge tellement la couette que quand il marche, c'est tellement stylé. Oh, oh. Ah oui, je veux que tu t'aimes ça qu'on met des branles à Régis, hein, avec Topiker, hein. Oh, oui, 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 il va évoluer, il y en aura trois. Oh, c'est trop bien. Alors. Ah oui, c'est très malsain aussi. Décidément, c'est vraiment un bateau très malsain. Comment guérir le mal de mer? Le capitaine Miss Manuel. Et quoi? Il a mangé ça? Vince masse le dos du capitaine. Ah oui. Non, plus bas. Non, bah, bah, oh, bah non, mais bah, il se retourne. Mais c'est voilà, c'est plus fort que lui. Merci, Moussaillon. Ça va beaucoup mieux. Il y a longtemps qu'on n'a pas touché comme ça. Mais le saveur, tu vois la technique coupe? Je pourrais te la montrer, mais je suis malade. Et je sais, prends ça. C'est la technique coupe en scène là, tes Pokémon. Oh non, t'as plus de place, mais c'est con, hein. Bon, ben, je remobie, bluff, bluff, bluff. Ah non, voilà, alors du coup, je me retape le dialogue, et il va se refoutre de ma gueule. Oh, le coquin, pour tout ça, pour que je le masse plusieurs fois. Non, mais Mille Sabord, non, je veux pas. J'en ai marre, monsieur. Non, je dois refaire le dialogue. Oh, plus de place, mais c'est dommage, hein, c'est con, ce jeu vidéo. Bon, du coup, je crois qu'on a un super bonbon. On va le donner à Topiker parce que Pikachu est déjà cheaté. Hein. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Qu'est-ce qu'on pourrait virer? Je veux rien virer, ça c'est repos ça. On vire. Attends, je regarde bien ce que c'est quand même afin de faire le con. Oui, repos on s'en fout. Honnêtement on s'en fout vraiment. Adieu. Alors je stocke tout dans le truc. Blablabla, pas bien. Allez, masse-moi, oui, gratte-moi. Je crache, ah oui. J'aime bien que je... Oh, Moussaillon, j'ai levé le drapeau. Ah oui, coupe-moi ça. Oh, je sais. Ah, technique coupe, oui, vas-y. Maintenant que je suis guéri, on va lever l'encre. Tant que c'est que l'encre. Ok, bon, il est en love maintenant. On peut l'enseigner à quelqu'un là. Mais Topiker, il peut tout faire. Bon, on lui donne la CS. Hein. Écoutez, voilà, il va servir Carmen sur mer. De toute façon, elles sont nulles les attaques dans le jeu, donc on peut lui mettre. Avec deux attaques, ça suffit hein, pour Pokémon, je veux dire. Voilà, donc ça va pas se faire chier à capturer un truc de tout pourri. Faire des Pokémon poubelles, hein, c'est bon. Alors, mets des CS, c'est drôle. Moi, ça me fait rire. Hein, Pikachu? Ah, j'avais ralenti le jeu, tout va bien. Tout va bien. Bon, du coup. Ah, mais sans téléport, ça va faire bugger pour avoir le Saint-Anne partir, c'est dommage. Non, je sais plus, faut passer. C'est par là. Non.
Oui, je me prends vraiment pas la tête là pour jouer. Oh non! C'est dommage, mais yo Pikachu! Oh, je suis dans le bateau! Oh merde! Bon, bah. Bon débarras! Ah putain! Yeah! Je serais plus suivi par un truc qui fait peur! Au revoir Pikachu! Reste avec tous ces vieux. Oh non! Non, il était dans mon cul! Je les ai assis dessus en fait! Mais remettez-le dans le bateau! Le Sen a levé l'ancre. Pikachu, mais. Mais t'étais caché où comme ça? Non, mais. Bon. Écoutez, il est temps de finir l'épisode, donc je commence à être fatigué de toutes ces conneries. Voilà. Nan, don, 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 don. Tu vas me donner ton carabus, toi? Je viens juste de capturer un carabus qui fait des n'importe quoi. Et je vais voir, on va avoir des soeurs, on va en remettre. On va rechercher, moi. Ah, c'est pas intéressant. Bon. Bon! On va se soigner, hein, comme d'hab, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Et l'épisode va être très long, je peux pas regarder le temps que ça fait, mais... beaucoup trop long. C'est pas bon quand c'est trop long comme ça. Tintin! Elles sont jolies les petites Pokéballs, elles sont bleues, c'est beau. Voilà! Et Pikachu va pas me lâcher les fesses, il me regarde toujours comme ça. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, les petits pouces bleus, les abonnements, le ci, le là. Voilà. Voilà, que qu'on soit riche et puis qu'on puisse enfin envoyer Pikachu sur l'océan. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous!